Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Callisto Protocol. Alors, épisode précédent, il s'est passé pas mal de trucs hein, sur la petite demi-heure de vidéo précédente. Hein. On s'est fait avoir un peu par notre premier antagoniste qu'on avait croisé, l'espèce d'Asiate là, qui nous a enfermé à sa place dans sa cellule. Et elle a l'air de savoir pas mal de choses sur nous, que nous-mêmes on sait sur nous en fait. Hein, on sait pas grand-chose au final de Jacob, hein, de son passé, etc. Mais elle apparemment, elle en connaît un peu plus sur nous. Il s'est passé quoi après? Oui, on a continué, on a réussi à sortir de ce piège tordu. Maintenant, il faut suivre un tuyau rouge pour arriver jusqu'au hangar. Et là, on a croisé dans les égouts une espèce de bestiole invisible. Ça présage pas trop du bon, donc on va essayer d'être prudent. Donc allez, c'est parti. Au niveau de mon matos, j'en suis à quoi? Bah, j'ai mon pompe, là, c'est vrai. Les flèches de droite, toujours pour changer. Mais là, j'ai surtout des munitions de pistolet à cramer, hein. Ouais, j'ai du soin. Ouais, bon, on va rester comme ça pour l'instant. J'espère que ça va bien se passer. C'est pas bon ça. J'ai entendu un truc que j'aime pas là. La pièce est grande. Ça me plaît pas trop. J'ai pas de batterie. Y'a un truc qui va pas, hein. Je suis sûr que c'est la saloperie invisible. Putain, ça va me faire chier. Putain de merde. J'ai le fusible, ok. J'en étais sûr. Ok, c'est le moment de prendre le pompe. Hein. Il grimpe sur les murs, cet enfoiré en plus. Ah, mais le fusible, hein, écoute. Là-bas, merde. On va prendre le petit flingue hein, plutôt. Merde, oula. Le système de raccourci est mal branlé hein, pour changer d'arme, hein, c'est vraiment de la merde. Bon, en moins. Il est toujours dans le coin, notre enfoiré là. Hein. Ça me plaît pas trop, hein. J'ai ramassé un fusible, attention. La porte s'est ouverte. T'es où, enfoiré, va? Ah, oh, ça me plaît pas du tout. Mais il a l'air de s'être barré, en fait. Enfin, je l'ai repoussé une fois, puis il m'a lâché, j'ai l'impression. Quoi ces conneries quoi? Ok, bon bah au moins c'est fini. Bon d'accord, très bien. Putain, il m'a mis la pression cet enfoiré. Bon bah on va reprendre le petit flingue. Enfin, ça dépend, j'en suis comment au niveau de mes munes là? Ouais. On va peut-être plutôt prendre le pompe là en fait. Hein. Mais merci connard, on sait. Pas la peine de me rappeler l'objectif toutes les 5 minutes. Le backseat toujours. Hein. Je suis pas débile là. Ah, ça, ça a l'air annexe. Vu qu'on suit pas le tuyau rouge. Un truc qui va pas là. Hein. C'est quoi déjà le grip? Ouais, c'est A. Hein. Non, ça marche pas. Non. Dommage. Ah, ça marche là. Voilà, ok. Ici, il y a bien un secret là-bas. Donc, on va y aller. Eh, bébé.
À ces moments, on passe dans beaucoup de conduits dans le jeu aussi, pour l'instant, quoi. On en a fait pas mal. C'est pas des petits conduits, hein. Peut-être des temps de chargement déguisés, c'est malin. Quoi ce bordel? Ok, du soin. Gâche-toi. Ah, c'était un truc publicitaire, j'ai eu peur, ok, très bien. Partisseur d'énergie, une munition de quoi, là? Munition de pompe, bon, ça va. La ferme. Ah, je reviens là. C'est ça. J'ai juste fait un temps de chargement à la con pour récupérer des mines de pompe. Bon, ça va, hein. Techniquement, je m'en sors bien, hein. On va essayer de cramer plus le pompe, du coup, pour l'instant. Allez, hop. J'aurais dû tirer en vrai. Parce que je suis sûr que c'était la saloperie. Après, est-ce que c'était pas scripté? Surtout ça la question. Je pense que c'était scripted. Donc au final, ça ne changeait rien. Bon, l'avantage c'est qu'on est dans la flotte, donc je vais le voir arriver cet enfoiré. C'est ça qui est bon. Ça marche pas. Là, je vais me faire attraper la gueule, c'est pas possible, vous avez vu le merdier qu'il y a ou quoi? Faut balancer une grenade là. En vrai. Allez, on éclate tout parce que je sens que ça va se retourner contre ma gueule si je le fais pas. Ah non. Saloperie. Bordel. Ça c'était sûr, hein. J'en étais sûr. Je suis persuadé que j'en tue en vrai, hein, en faisant ça. On entend les petits bruits dégueux, hein. D'accord, donc j'ai récupéré des munitions de pistolet, mais pas tout, hein. Ok. Alors, tombe dans notre misère sexuelle, là. Et on va ressortir de l'eau, du coup, on va bien l'avoir dans le huc. Ah, le tuyau est là-bas, merde. Je peux pas... Non, je peux pas retirer. Faut que je passe par là en tout cas, donc il va falloir que je trouve un moyen de passer par là. Let's gong. Je sais pas ce qu'il y a eu ici. Bon, faut tourner la valve, on a compris. Ok. On y est presque. Et c'est reparti pour un autre conduit. Ah.
Aïe 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 aïe. Ah, une forge, ok, cool, je vais pouvoir vendre des trucs. Vendre. Ouais, ça, ça dégage. Parfait, donc limite, je peux même retourner en arrière pour récupérer les mines que j'ai ratées, quoi. Si je suis un cinglé, mais j'ai la flemme de me refaire les conduits, ça me casse les couilles. Donc on va éviter, attends, j'ai le hockey, moi. Oui, ça, le grip, vitesse de recharge, grip amélioré, amélioration de l'énergie faible. Ouais, faudrait que j'améliore le grip aussi, hein, c'est intéressant, hein. Ouais, ça commence à coûter la peau du zboub, hein, tout ce merdier, hein. Faire des mules, mais ça, j'ai pas envie. La matraque, oui, faudrait peut-être que je l'améliore aussi, les dégâts, hein. La contre-attaque de blocage. L'attaque finale d'un ennemi ouvre l'ennemi à plusieurs attaques. D'accord, une enveloppe qui augmente les dégâts, c'est ça? La vitesse du swing. Ah, je monte la longueur du combo aussi, ouais, pourquoi pas. Coup de 300, ouais, est-ce que je peux améliorer la matraque ou est-ce que j'attends pour améliorer... Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire de mon pognon? Je vais augmenter le swing, allez hop, la matraque. Ça sera bien et on arrêtera là, on va économiser un petit peu. Eh bien Jacob. Allez hop. On continue. On vient du conduit, hein, donc c'est-à-dire qu'on peut aller par là. Il y a le tuyau rouge par là. J'espère qu'on peut aller par ici, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Ah, on revient par ici, ok. Très bien, d'accord. C'est un raccourci, donc. Il n'y a rien d'autre, j'ai rien... Ah non, c'est bon. Ok, bon. On tire ça. Saloperie. Non, ça dégage, putain. Il y en a partout, bordel. Bon, ça va, je l'ai eu. J'ai même eu du soin. Ça, c'est pas piqué des hannetons. Ok. Saloperie. Ouh, je sais plus ce que j'ai fait, là. J'ai ouvert un truc, j'ai fait quoi? Ah, j'ai peut-être ouvert par là. J'ai ouvert par là, mais là, ça va être la merde, hein. J'annonce. Attention. Je l'ai vu, hein. Sors de là. Voilà. Je sais pas si ça l'a fait fuir ou pas, hein, mais je l'ai vu, en tout cas. Allez, on avance. Monte un peu ma réserve là. Ça va. Je peux prendre un deuxième truc de soin au cas où, hein, dans le doute. Continue, allez, on monte l'échelle. C'est encore beaucoup trop grand, hein. J'aime pas ça du tout. On a un checkpoint. On va être prudent, hein. J'ai pas entendu arriver ce con, j'ai dû tirer deux balles en mode réflexe parce que j'ai eu peur. Tête enculée. Allez hop. Je
crame des balles, mais je m'en fous, hein. Alors, clairement, le jeu est assez généreux, hein, je trouve. Ouais, je suis encore carrément bien, hein. Pas mal, les crédits. Voyou, ce bâtard invisible, il me trigger depuis le début de cet épisode, hein. Je vous le cache pas. Mission, ok. Batterie de GRP, bon là j'ai plus de place, hein. Arpenter quelques munes, ouais. On va essayer de continuer par là un petit peu. Voir si j'ai pas raté de loot. Il me faut une batterie par ici. Que je n'ai pas. Et par là, je sais pas ce qu'il y a. Il y a un truc, je crois qu'il y a un coffre. Ça pue les ennemis, hein. Je l'ai vu. Un coffre piégé ? Non. La gueule ! Voilà, boum ! Ah merde, il m'a touché, enfoiré quoi. La ferme. Merde, oh merde ! Putain, enfoiré. Eh ben j'ai pris tarot là. Putain, ça valait pas le coup, hein. Je me suis fait éclater la tronche, hein. Bon. Bon. Du coup, convertisseur d'énergie, ouais. Inventaire plein, évidemment, inventaire plein. Bon, bah on va se faire une petite picouse. On se remet full life, voilà. On va privilégier le pognon, hein. Et ça, c'était du soin. Bon, ok, bon, ça va. Au niveau du... des munitions, là. Ouais, j'ai un chargeur plein, quoi, en pistolet, quoi. Ouais, ok. Ok, ok. Bon, on va rester comme ça, tant pis, hein. Ah. Ça fait chier de s'asseoir sur des munes, quand même, hein. J'ai pas le choix, malheureusement. Ah, la batterie est là, hein. Donc je dois redescendre. Ça me plaît moyen. Surtout que j'ai un checkpoint. Connard. Raté, enfoiré. Ta gueule. Allez. Je voulais économiser un petit peu sur ce coup-là. J'ai bien fait. Ça s'est très bien passé. Ok, bon. Ça valait le coup. Et là, je peux ramasser les mines que j'ai laissées. Je vais les prendre tout de suite. Par là. Ouais, paf. Oh, c'était 6 balles en plus, putain, mon dieu. Tellement de munes. Tu sais quoi, je vais même repasser sur le petit flingue. Allez.
derrière nous, il y en a un, non? Ça, c'était sûr. La ferme. Bon. Eh ben, c'est sport, là. Il commence à y avoir pas mal d'ennemis, hein. Enfin, est-ce que je tire 2 balles dans le vent pour récupérer des balles de pompe? J'ai envie de dire oui. Ça me fait chier, mais bon, hein. Y'a combien de balles de pompe? 3, ça valait le coup. 2 balles pour 3. C'est pas déconnant. Ah, l'ennemi invisible de merde, il est toujours aux abonnés absents, ça me rend dingue, hein. On l'a pas recroisé depuis. Checkpoint, ok. Passer par là, mais y'a quoi par là? C'est verrouillé, ok. Verrouillé, mais on peut passer. Ça craint. Putain, c'est quoi cet endroit, quoi? Une batterie là, ok. Je suis enfermé dans cette pièce, c'est ça? Tout va bien. Ouais. Par contre, malheureusement, non, ça passera pas. Bon, tant pis. Fais chier. Ennemi de merde, je les déteste. Ils te sautent à la gueule, ça casse les couilles. Là, je défouraille, hein. Je prends envie de me faire choper par un crâne, là. Ils m'ont déjà fait trop de fois le coup, là. Ça me saoule. Ah. Un nouvel enregistrement. Je vais l'écouter tout de suite. C'est lequel? Oh putain, c'est lequel par contre? C'est Habitat, non? C'était pas celle-là? Journal personnel, Dr. Caitlin Mahler. Je suis arrivée à Black Iron aujourd'hui. J'ai rencontré Cole pour la première fois. Il m'a autorisé à reprendre le programme. Ce ne sera pas simple, mais j'ai confiance en mon équipe. Ils sont, comme moi, pleinement conscients de l'opportunité qui nous attend. Ok, d'accord. Trop de mines de... pompe. Tout ça pour un coffre, hein. Ouais, d'accord, j'ai été ici pour du bonus. Merde, j'ai pas pensé à péter les cosses au-dessus. J'ai raté quoi là? Des munitions en bon état, des trucs. 1000 balles de flingue. Ça me casse les couilles. Putain, j'hésite à balancer un truc, quoi, ça m'énerve. Il y a 1000 trucs ici en fait, c'est un délire. Hein.
pas le péter ça. Il y a des trucs ici aussi, j'avais pas vu, mais putain quoi. Il y a des balles partout en fait, des munitions de petits flingues partout, je peux pas les prendre, j'ai tellement le seum. Dès que je trouve un truc pour revendre là, j'y vais quoi. Y'a trop de munitions, je peux pas m'asseoir sur ça, c'est pas possible. C'était sûr ça. Bon toi je vais te défoncer au cac, vas-y viens, amène-toi. Allez, prends ça mon con. Allez, bam. Ouvre ton crâne. Ok. Il y avait du soin là, je pourrais pas le prendre. Bon, si c'était que ça, ça va. Un checkpoint, il y a 53 secondes, ok. Je me demande si c'était qu'au début, les checkpoints merdiques, là. Là, ça a l'air d'aller mieux. Voilà, numéro 6. Ok. La pièce est très grande, c'est peut-être pas pour me plaire. Merci pour le backseat, Elias. Oui, monsieur. Juste un instant. Ok. Mais il y a trop de munitions, quoi. Hein. On n'est jamais à court de munitions dans ce jeu, quoi. Je devrais chercher ce garde. Garde ? Il y a des munes partout, c'est n'importe quoi, ça veut rien dire. Je sais qu'on est dans une arène de boss, mais bon, merde, quoi. Il me faut la clé. Où est la clé? Bon, du coup, je repasse en mode flingue, hein, moi, ça me saoule. Hein, À quoi qu'il me faut de la place, ouais. Il me faut de la place, donc il faut que je crame encore 3 balles de pompe. Comme ça, j'aurai de la place dans l'inventaire. Pour pouvoir récupérer des munes supplémentaires à notre stack. Ouais. Ah, y'a une forge là. Est-ce que c'est pas le moment de vendre mes conneries? Sérieusement. Ça c'est la suite, hein. J'annonce. Impression UGC à votre service. À vendre. Vendre cette merde là. Voilà. Ah, la batterie ça coûte que dalle. Je peux pas vendre ça. Par contre, je peux peut-être acheter une amélioration, là, non? Les améliorations, non, ça coûte 900, je crois. Hein, Alors, plus de stabilité pour le pompe, ah, ça peut être utile. Contre-attaque, blocage, plus de dégâts au cac, ça peut être sympa aussi. Et dans l'idée, j'ai envie d'améliorer la vitesse de recharge du GRP. Ouais, ça, c'est cool. Hein. Je peux utiliser plus souvent, du coup. Ça, on élimine la batterie, quoi, en vrai. Allez, nickel. Bon, du coup, j'ai utilisé... truc. Santé pleine, ça, c'est de la santé. C'était sympa, quand même. Les crédits, ça se prend toujours. Des munitions, ouais. Non, 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 mais non! Eh, j'ai pas choisi d'y aller! J'ai pas choisi d'y aller! Non, je veux pas y aller maintenant, en fait, quoi. Putain, le script, il se lance quand tu passes le truc, là. What the fuck? Oh, bon sang. Du soin encore? Putain, mais y a plein de soins, là.
vais retourner dans la grande pièce parce que je vais récupérer pas mal de munitions, en vrai. Ah, des munitions de shotgun aussi, c'est cool. Ah, convertisseur d'énergie, dommage, j'ai plus de place dans l'inventaire. On reviendra. On est revenu là, ok. Bon, je vais faire le plein de munitions de petits flingues du coup. L'avantage, c'est que j'aurais pas besoin de retourner dans l'autre grande pièce à la con là. Je crois que j'ai assez pour faire le plein ici. Hein. Il y a des trucs explosifs, je pourrais les lancer à la gueule des ennemis, je pense. Ça sent la grosse zone de baston ici, hein, mode survie là. Ça va casser les couilles, je le sens. Hein. Allez hop, 2 balles. On va passer au petit flingue. On a suffisamment de mun là pour une armée là, c'est n'importe quoi, ça veut rien dire. Et j'en étais sûr que c'était par là, hein, là où il y avait le cadavre là. C'est sûr que c'était là la suite. Donc on y retourne. Et on va voir où le jeu nous mène, écoutez. Et je fais pas gaffe à l'heure, hein. Donc on verra. Allez vas-y, lance-le ton script de merde là. T'as voulu me le faire tout à l'heure là. Allez, petit jumpscare là avec le truc. Enfoiré quoi. Bon, je peux pas l'avoir, ok, tant pis. Oh la vache! Les tentacules explosés se font muter les ennemis, quoi? Ah merde! Ah, ça va commencer à être chiant, ça! Tentacules et mutations. Les tentacules exposés vous avertissent que l'ennemi est sur le point de muter en une forme plus puissante. Les ennemis mutés ont plus de santé et leurs attaques sont plus puissantes. Tirez sur les tentacules exposés pour rapidement tuer l'ennemi, piétiner les ennemis au sol pour les empêcher de muter davantage et de continuer à attaquer. Quoi, d'accord, ok. Nouvelle mécanique du coup, ok. Ah, sale bête. Les ennemis y mutent maintenant. Ah, le voilà le soldat. Donne-moi ta puce. Officier James Race. Ok, attendez. Je ne trouve pas l'officier James Race. C'est génial. Ah, c'est bon. Allez, le code et mon truc. Si vous entendez ce message, tirez sur les tentacules ou bien essayez de les frapper. C'est le seul moyen. Sinon, ils deviennent juste plus grands, plus forts. Je peux les entendre. Ils s'approchent. Bah, vous voyez cette info, au lieu d'avoir un tuto de merde qui me le dit, en fait, j'aurais aimé la découvrir en écoutant le journal audio par moi-même, en fait. Ça aurait été plus intelligent, quoi. Enfin, soit. Ah, je suis revenu là. Ok, d'accord. Et là, ça va être la... merde. Ils m'ont vu ou pas? Ouais, ils m'ont vu, ouais. Tu ne muteras pas, connard.
Il m'a mis un coup quand même cet enfoiré hein. Là, ils vont muter à chaque fois maintenant ces connards ou ça se passe comment Bon. Au niveau des balles ça va. Je vais quand même essayer d'être large, j'ai vu qu'il y en avait encore deux là-bas je crois, oui je vais en prendre. Pour dire d'avoir tout au max dans mon inventaire tout du moins. Et puis me préparer à la vague d'ennemis qui va arriver parce que dès que je vais activer le truc, il va y avoir une vague d'ennemis, c'est sûr et certain. Hein. C'est bon, on me la fait pas, moi. Ça va pas être si simple que ça, mec, hein. Cycle de purge en cours. Qu'est-ce que... À l'aide. Attention, anomalie détectée. Merde. Putain, fait chier, hein. Tout connard. Oh, toi, je t'ai baisé. Au-dessus de moi. À ma gauche. Il y en a partout. Il est mort. Ordure. Au-dessus au plafond. Enfoiré. Mais... Il est mort, c'est bon. Bon, eux ils sont relous, hein. C'est bon. Terminé. Trappe d'accès ouverte. Eh bah dis donc. Monte un peu les munitions que j'ai cramées là. Ouais, j'ai quand même tiré pas mal, hein, comme un sac à merde même, mais bon, c'était pour la bonne cause. Je vais quand même récupérer mon dû. Ah, c'est cool. Je vais peut-être même me soigner gratuitement et récupérer le soin ici, hein, ça se prend. Allez hop. Allez hop. Et on se casse, les amis. Allez, let's go. Bon, Jacob. Attends, prochain checkpoint dans une minute. Ah ouais, d'accord, ça fait bien chier. On a 40 minutes. Bon, prochain checkpoint, j'arrête. Allez, hop, on descend. Oh merde. Descend. Saloperie. Vérification de la pression. Oh putain, l'échelle interminable. Il y en a un dans le coin, hein. Ce foutu machin ne va pas s'arrêter. Ça empeste. Ah bah je suis dans les égouts, quoi. Ouais, ça c'est les bonnes ambiances. On peut aller derrière, hein.
Un des crédits à ramasser, donc j'ai bien fait d'y aller, comme quoi faut être curieux. Allez, on continue. Ça a l'air long et chiant. J'imagine que je dois aller par là. Non, sans déconner. Et puis ben, on ira par là dans le prochain épisode parce que je viens de voir qu'on avait le checkpoint. Donc voilà les amis, c'était la fin de ce... Enfin, c'était non. C'est la fin de cet épisode de Callisto Protocol. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si c'est le cas. Vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification, bien évidemment. Et moi je fais des bisous à la prochaine. Allez, des bisous, ciao. Portez-vous bien. Salutations.